Coucou les copains, comment que ça va-t-il bien ce matin? Petite vidéo hebdomadaire de dimanche, on se retrouve pour plein de bonnes choses. On n'oublie pas encore une fois les copains, on se s'abonne, salut. On se s'abonne. On se active la petite clochette. On se active le petit message qu'on lance, des petits messages à laisser des riders qui répondent qu'il est content. Nous on se retrouve encore une fois pour une petite vidéo tranquille ou pépère avec plein d'observations, des choses qu'on va voir, des trucs rigolos, des trucs moins rigolos. Allez, je pars en seconde. Allez. Des trucs rigolos, moins rigolos. Là ce matin, je prends l'autoroute, mais il y a des fois je la prends pas. On se balade, on se promène. Et je vous laisse tout de suite, les amis, après le générique. Je vais rouler derrière mon copain là. Il y a un copain en moto devant. Ah, il me regarde dans le rétro depuis tout à l'heure. Salut le copain. Salut l'artiste. Il me fait un petit bonjour, un petit coucou. Ah, je crois qu'il veut me parler, on dirait. Hein? Ouais. Ouais, c'est moi. Ah, tu m'avais vu là-haut? Ah, ok, super! Merci! Ah, c'est cool! Ah, c'est génial! Ah, voilà! Ah, ben voilà, les gars! Entrée d'autoroute, on rencontre un abonné. Il me dit, c'est toi, JC! JC les A-Riders! Ah, c'est génial! Ben, salut à toi si tu regardes la vidéo! Ben, je voyais qu'il m'attendait, vous voyez qu'il roulait doucement. Alors, je n'osais pas trop le doubler parce que j'ai vu que c'était le plus gros cylindré. Et je me suis dit, ah, il veut discuter! Bon, ben voilà, les gars, on commence à me reconnaître! C'est rigolo, ça, tiens! Bon, mais si tu vois cette vidéo, la personne, parce que c'est vrai qu'avec le casque et tout, c'est un peu compliqué. Envoie-moi un petit message par rapport à YouTube. Hein, tu me marques un petit commentaire en disant, ben c'était moi. Ben voilà, les gars. Alors, ça vous arrive à tous et à toutes. Je vois ça des fois sur les vidéos, là, des YouTubers, où il y a des gars en disant, ah, c'est toi, machin. Mais c'est souvent en ville. Sur l'autoroute, je crois que je suis le premier. Ah, c'est rigolo. Running. Ça court. Ah, là, c'est pas le même délire. Est-ce qu'il y a toujours la voiture cramée, là, sur le côté? Ah, bah ouais, il y a toujours. Hein. Voilà, ce matin. Attention, imitation de la poule. Ah, putain. Oh, putain, je me suis fait peur. Oh les gars, une seconde d'inattention, mais je sais pas. Waouh! En fait, je voulais tourner, j'arrivais pas à tourner. Et je sais pas, ça m'a tétanisé, ça m'a fait peur. Bon, heureusement, tu vois, j'ai pas planté les freins de l'avant, j'ai juste contrôlé de l'arrière. Mais putain, mais. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Ouais, donc, grosse frayeur là, petit virage, mais pas sympathique avec moi. Ça sert aussi à ça d'être en moto, de pouvoir doubler quand on veut doubler. Ça trottine grave. Hein. Ouais. Magnifique. C'est bien ça, bravo. Bravo. C'est très très bien ce que tu viens de faire avec ton camion. C'est très 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 bien. Coupage de route en bonne et due forme, comme on dit. Encore c'est vrai que j'arrivais très doucement. Oh et putain, il pue son camion. Le concept d'un CD passage, c'est qu'il faut avancer. Il est mort, il est bizarre le gars. Ah ouais, toi en fait, tu t'en bats les couilles. C'est pas comme si là il y avait de la place pour passer à deux en fait. Eh ben oui, tu te fais klaxonner, forcément tu te fais klaxonner mec. Tu fais n'importe quoi, tu roules en sens inverse avec ton 3 roues là. Bon, je veux bien qu'on passe de l'interfile, hein. Je veux bien ça. Je suis premier à en faire. Après, il faut pas non plus rentrer dans les extrêmes. Voilà. Oh, putain, la vieille m'a fait peur, sans déconner, mais oh. Ne me dis pas que je vais encore tomber sur mamie, qui va vouloir aller à la poste,
et qui va chercher pendant une heure une place en restant bien au milieu. Parce qu'ici, c'est la spécialité. Hein. La spécialité d'ici, c'est les gens qui veulent aller à la poste, qui se disent, mais où est-ce que je vais me garer? Il n'y a pas de place. Ah là là, je m'arrête au milieu. Parce que je suis en train de chercher une place. C'est très important pour moi. Sauf que toi, tu es en train de partir pour aller bosser. C'est pas du tout important. Non. Ou alors, c'est... Oh là là, je peux marcher aussi au milieu de la route. Ou me garer au milieu de la route. Oui, je fais bien la mamie qui cherche son chemin. Alors, y a-t-il quelqu'un qui arrive par la gauche que j'aurai dans mon rétro? Je vois personne. À droite, il n'y a personne aussi. Ici, ce virage, il est très dangereux. Ça fait pareil ton vélo, toi. Voilà, le Duster qui est sur les freins depuis tout à l'heure. Tu vas pas le rater, le virage. Non, mais je vais pas te doubler dans un virage, alors. Putain, mais avance. Oh là là! Putain, les vieux au volant, c'est une horreur, hein. Ah ouais, mais dans un... Hey, j'ai pas de visibilité, moi. Putain, sans déconner. Il me fait signe de passer dans un virage. C'est rigolo parce que... À un fois, je roulais comme ça, puis... Oh, putain, la Ferrari. Bon. Putain, j'espère que ça filme. Et donc, il y a un motard qui me double et qui me reconnaît. Alors, c'est rigolo. Maintenant, je commence à avoir des gens en moto qui me reconnaissent. Ça me fait délirer. Elle est sympa, la petite Ferrari. Hein. Allez, position aérodynamique sur la moto. C'est parti. Non, ça va pas plus vite. La voiture, elle fume un petit peu. Mais c'est bizarre parce que le pot, j'ai l'impression qu'il est à gauche. Mais ça a fumé à droite. Je vois pas le pot en fait. Je vois rien. C'est pas possible d'être aussi vieux, de rien y voir comme ça. Y en a marre. Ah non, le pot est à droite. C'est moi, j'ai dit. Ah putain, mais ils ont foutu le pot derrière le pare-choc. C'est complètement con. Bah, Citroën, vous avez fait quoi là? Pourquoi vous n'avez pas fait une petite ouverture comme ça là pour pas faire passer le pot? Ça, c'est du camping-car. De compétition. Alors on en voit en ce moment des camping-cars les gars, avec l'été qui est arrivé à son zénith. Ah, les camping-cars sont de sortie. Ben ça avait le mucho. Titi ta 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 ta. T'es un peu près de la moto toi devant. On appelle ça les distances de sécurité. Tu es un peu près du scooter, pêcheur. Là le mec il pile. Voilà, putain, hey, t'es prêt, mec, putain, sans déconner. Enfin, mec ou madame, hein, je sais pas si c'est un monsieur ou une madame. Mais gardez vos distances, s'il vous plaît, là. Arrêtez de coller au cul comme ça, c'est pas bien. Là, il faut... Ah, ça y est, je recommence à râler. Faut que j'ai dit que j'arrêtais. J'ai dit que j'arrêtais de râler, je recommence à râler. Mais quand même, merde. Là, le monsieur et la madame, là, ils sont gentils. Ils gardent les distances sociales, de sécurité. Tu vois, tu ne serais pas mis à gauche pour me question de dire tiens, je te laisse passer. Non, ça, elle l'aurait pas fait, ça. Avec son auto-sud Bernabeu. Oh putain. C'est comme Barnabé, mais version je fume des ouinges. Barnabeu. Salut, je suis Bernabeu. Et toi, je t'ai fait un coucou de la main droite, tu m'as même pas répondu. Saligo. Tu es un saligo! Il faut passer au bout d'un moment là. Qu'est-ce qu'il a lui derrière? Ah oh, putain, il a un drone. Il a un... Le pick-up, il avait un drone posé derrière. Les copains, je vous souhaite à tous et à toutes de passer une bonne semaine. J'espère que vous avez profité un maximum de cette vidéo, que vous avez aimé le contenu. N'oubliez pas justement de faire un petit pouce en l'air et surtout de vous abonner, les amis. Ça m'aide beaucoup, ça me motive beaucoup à continuer mes vidéos et à proposer aussi d'autres formats, peut-être pas, pourquoi pas. En attendant, moi, je vous souhaite de passer une bonne semaine. Faites attention à vous sur la route. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Et nous, on se dit à la semaine prochaine. Hasta la vista. Baby! Wouhou! Hasta la vista, baby! Ciao, ciao les copains.